Dadou Jambar nan yon situasyon ki ekstremement komplike. E ceci fas ak FIFA. FIFA semente frape pie, baga la pap pase kon sa. Ete la mpral bon detay. Entre tan, yo konvoke Cristiano Ronaldo. Tiraj Ligue des Champions en fèt. Ete la. Ou pral jwenn detay, kouman sa ye. Se kounya m konprann ki sa k fè tout client ki loue machine nan 5 Stars Tourisme République Dominicaine, ke yo toujou kontan. Se paske pri sa yo pa jwenn yo kin lòt kote e servis la menm, se pa pale. Bonjour, bonsoir internet, kouman nou ye? Mwen rele Kestin Lolé, son plezir pou m'enfòmè yo. Avan bon detay sou sa k rive Dadou Jambar e koman situasyon ye e sou konvokasyon Cristiano Ronaldo a ki te m di ou tiraj kade final Ligue des Champions 2023 fèt matin. Gade bien. Match ale yo ap gen pou yo jwe le 11 ak 12 avril. Match retou yo ap jwe 18 ak 19 avril. Men ki jan sa tombe? Real Madrid ap gen pou l'afronte Chelsea. On lòt fwa ankò. Oui, nou di on lòt fwa ankò, se paske sou 3 denye edisyon Ligue des Champions yo, ça fait troisième fois deux clubs ça va rencontrer dans une phase éliminatoire directe. Pour qu'on comprenne bien, deux équipes ça ont été rencontrées en 2021 en demi-finale. Là ça c'est Chelsea qui était passé. En 2022, ils ont été rencontrés dans quart de finale. C'est Real qui était passé. Mais attention, Manchester City contre Bayern, nous t'as considéré comme plus gros choc quart de finale ça. Sans pour autant ne pas qu'à minimiser Chelsea Real Madrid là tout. Deux équipes ça a rencontré souvent. Dernière fois deux équipes ça a été rencontré, c'était dans la Ligue des Champions saison 2014-2015. Là ça a été rencontré dans phase de groupe. Mais tout bataille qui pral gagner entre équipe City et Bayern, ça son bataille tout qui sent pareil parce que son bataille qui a mis en phase deux équipes. Youn qui a cherché première Ligue des Champions et qui investit un paquet d'argent pour ça qu'a fait et yon l'autre équipe qui lui-même remporté compétition 6 fois déjà. De toute façon, bara la vra belle. J'aime te annoncer li Roberto Martinez, ou connaît qui c'est actuel entraîneur Portugal là, li mette en liste d'ailleurs côté li convoquer Cristiano Ronaldo. Ou connaît déjà Cristiano Ronaldo a joué dans championnat saoudien. Mais gon bagay qui intéressant. À convocation ça, Ronaldo sur route pour continuer porter couleur équipe Portugal là. Et ceci rivé au moins jusqu'à Euro 2024 là. Ça sont très bonnes nouvelles pour Cristiano Ronaldo qui lui-même mis en Europe là en pile. Qui t'aime dire Portugal a bien pour jouer avec équipe Liechtenstein jeudi 23 et l'a joué avec Luxembourg dimanche 25. Donc deux matchs ça a lancé éliminatoire Euro 2024 là. Lisse yon occasion pour Cristiano Ronaldo améliorer chiffre yo. Ya. Yeah. CR7 a gagné chance ça pour le cas améliorer chiffre li gagné avec équipe Portugal là. Pas oublier, monsieur déjà fait 196 apparitions avec Mario Portugal là et il marqué 118 goals. Dadou Jambar. J'aime te annoncer li Monsieur Jambar dans une situation qui est extrêmement difficile. Parce que FIFA a annoncé que il pas reconnaître Dadou comme président Fédération de football haïtienne. Situation ça a la gros panique parce que FIFA a menacé la vider sanction sous fédération. Pour comprendre bagarre là très bien. En premier lieu, il était accusé Jambar comme quoi, il était dans confio Lola, n'a profité de Timé Damio. Et accusation ça, c'est un journaliste enquêteur qui est le Romain Molina qui t'a publié dans un journal britannique qui est le The Guardian. Tendez oui. Il était dit que Jean-Bart était qu'on exploitait Timé Damio sorti 2014 et 2020. Ça était la cause FIFA t'a écarté Jean-Bart de fédération. Hein. Mais Jean-Bart lui même pas de bail vague. Jean-Bart dédoublé là, monsieur allé,
là le porter plainte dans tribunal arbitral du sport. Eh ben tribunal arbitral sport là décider blanchir Jean Bar parce que il dit pas aucune preuve, pas gain élément suffisant pour yo ka kimbe accusation ça yo contre Jean Bar. Jean Bar lui-même frappé l'estomac et puis monsieur dit bon, ça yo pas de vleur ya, c'est li a poué. Monsieur retourné dans tête fédération. Mais par contre, FIFA lui-même non seulement t'a pris sanction contre Dadou Jean Bar et tout te mette yon lot comité dans tête fédération. Mais ben, malgré Dadou vin ouvè kol, vin fè tout bagay, FIFA li même menacé, frappé pied sèmente là, dit ça pas passer comme ça. Mais équipe Jean Bar li même yo dit c'est club yo qui pour décider qui est cap président yo, c'est pas FIFA qui pour rentrer bien fond dans causé à dans niveau ça. Son guerre qui annoncé qui pas petit du tout, principalement parce que FIFA menacé pour le passer fédération yon mauvaise sanction qui pas petit du tout. Situation ça li compliqué l'on connaît qui quantité problème nous déjà gagné dans fédération nous et kounia pour Jean Bar lui-même entrer dans guerre ça avec FIFA, nous connaît son bagaille qui pas petit. Mais quand monde qui pose cette question, cap dit mais bon sang, est-ce que c'est seulement Jean Bar qui a fait fédération ça continuer exister? Dat Jean Bar dans tête fédération ça pour qui ça? Jean Bar pas résilié, il dit bon, bon mal fait l'autre activité, m'pa obligé vin président. Nous senti quelque part gon guerre, gon lutte. Jean Bar voulait montrer force, Jean Bar voulait montrer capacité pour montrer tout le monde qui t'a pris sous li, c'est pas ça parce que si au fin la ville, li voulait pour retourner dans tête sélection, c'est pour qu'a montrer tout le monde que ça on te dit c'est pas ça. Et honneur l'a défend, mais n'a défend honneur ça souffrance là. C'est fédération haïtienne de football là qui gagne toute chance. Payel. Son situation qui complexe que n'a suivre de près. En tout cas, Paris Saint-Germain a retourné. Première fois il a retourné à jouer dans le Parc des Princes après yoté fin éliminé dans 8e de finale Ligue des Champions. Vous songez Bayern t'est passé on le sent. En tout cas, il a retourné première fois, mais inquiétude la fort. Li fort parce que un pile moun krent que fanatique yo par les chalbaré de équipe Paris Saint-Germain. Baga la compliqué, li di suspense fort. De toute façon, fanatique yo des fois yo sans pitié. Yo pas besoin qu'on ait Paris Saint-Germain t'es supposé faire mieux dans la Ligue des Champions d'après eux-mêmes. M'a rappelé yo Paris Saint-Germain investi en pile pour voir s'il t'apprend Ligue des Champions ça. Mais cette fois-ci, au passé loin, éliminé depuis la 8e de finale, espoir était gagné, il passait très très loin. En tout cas,